Salut, c'est Val. Aujourd'hui, je vais vous présenter les freins V4 de chez Hop. Tac. Wouh, wouh, wouh. Je les ai pris avec les Durite Aviation, hein, silver et orange. Alors le levier orange, tout ça, c'est Estra avec les petites touches des vis silver et orange. C'est un étrier monobloc avec 4 pistons. Du coup, la différence avec le E4, c'est qu'il est beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant du coup. Sur le mètre cylindre, vous avez le réglage du levier, donc de la course du levier et de l'attaque. Voilà, donc ça vous pouvez le trouver précisément sur le site Hop. Donc juste le premier là, je vais vous le montrer comme ça. Ici c'est pour régler la garde et ici pour régler l'attaque du freinage. Du coup vous pouvez mettre aussi le matchmaker sur votre mètre cylindre qui va vous permettre d'adapter tous vos shifters Shimano et SRAM. Voilà, donc vous avez juste à rajouter cette pièce ici. Du coup ça c'est pas des freins jetables, vous pouvez les garder des années et des années, ils vont toujours être au top. Vous pouvez customiser avec toutes les couleurs que vous voulez. Là vous voyez c'est silver orange, mais vous pouvez mettre toutes les couleurs. Chez Hop aussi vous pouvez demander le kit de purge. Tac. Alors vous adaptez juste avec ces deux trois petits ustensiles sur le frein pour faire votre purge correctement. Vous n'avez plus besoin de le faire directement sur le frein. Avec ces freins, j'ai choisi de prendre les disques silver en 200. Tac. Et je sais pas, on mettra peut-être du orange, non? Eh, ce serait cool l'orange. Voilà, c'est des disques flottants, vous pouvez le voir. Ça, c'est hyper solide. Pareil, vous avez en 6 couleurs. Du coup, en flottant, vous avez des disques qui chauffent moins. Du coup, je vous ai présenté les freins Tech 3 V4. On se retrouve la prochaine fois pour une autre présentation. Salut !